Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE2K20. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, eh bien nous faisons un match non pas proposé par un abonné, mais par rapport à l'actualité. Pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, il y a l'élection présidentielle qui oppose Joe Biden face à Donald Trump. Et une fois n'est pas coutume, voilà, je fais ça comme des fois quand on est sorti de films au cinéma ou plein d'autres choses, j'essaie de coller avec l'actualité. Je me dis, ça peut être sympa de faire ça. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pris Joe Biden, pourquoi? Parce que je viens juste de télécharger, on a déjà fait quelques matchs avec Donald Trump, avec Emmanuel Macron, etc. Et vu que je connais un petit peu le personnage de Donald Trump, en tant que personnage, en tant que superstar du catch, bien entendu, eh bien, je prends Joe Biden. Hein. Je suis, enfin, niveau politique, voilà, c'est, ça a pas lieu d'être sur la chaîne en termes de dialogue ou autre. Moi, je suis là pour faire du divertissement, pour m'amuser un peu. Après, c'est plutôt, est-ce que vous êtes cravate bleue ou cravate rouge? C'est plus ça la question. N'hésitez pas, voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez, le bleu ou le rouge? Après, vous pouvez proposer aussi vos combats dans les commentaires, mais dites-vous une chose, bah, c'est pas sur cette vidéo-là que les matchs seront pris. Après, je sais qu'il y en a qui font ça automatiquement, et vous verrez, dans l'espace des commentaires, il y aura bien au moins 5 personnes. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il y aura au moins 5 personnes qui proposeront des matchs parce qu'ils n'auront pas écouté la vidéo. Vous allez voir, je vous le dis, et vous verrez que Bibi a raison, attention! Bon, est-ce que Joe aurait pu faire ça de la troisième corde? Ah, je pense pas forcément. Du coup, ça enflamme beaucoup de personnes, parce qu'il y en a plein qui sont vraiment pro-Trump. Ils veulent qu'il revienne en tant que président pour 4 ans. Il y en a d'autres qui ne veulent pas du tout qu'il soit réélu. Du coup, Joe Biden, il y en a qui s'en foutent parce qu'ils se sentent complètement délaissés. C'est souvent ça, hein, dans les élections, que ce soit aux États-Unis, dans le monde entier. Hein. C'est vraiment... Bah, des fois, tu te dis qu'importe le... On va dire le participant ou autre, tu dis ouais, c'est pas ma tasse de thé, du coup ça va pas voter ou ça va peut-être voter blanc. Oh là là. Par contre, si Joe Biden peut faire ça en vrai, eh bien, je valide. Je suis ok. Attention. Voilà. Et ouais, c'est qui le patron? Un genou à terre, je fais l'aigle. Parce que je peux voler. Regardez-moi ça. À la 1, à la 2 et à la 3. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi on se bat à Survivor Series? Tout simplement parce que c'est le prochain pay-per-view de la WWE. Mais surtout, comme vous pouvez le voir, les couleurs de l'ancien Survivor Series, ou même de base, hein, c'est le rouge et le bleu. Et qu'est-ce qu'ils ont comme cravate? Voilà. Vous avez compris. Je dis, tiens, pour coller parfaitement au niveau du thème, bah, autant prendre du rouge et du bleu. Comme ça, c'est parfait. Il n'y a personne qui est jaloux. Ah, mais c'est bon! Voilà, j'arrive, hein. Parce que l'arbitre, lui, il est surmotivé. Parfait. On le relève tranquillou. Et on fait le spécial. Qu'est-ce qu'il a comme spécial? Ah ouais. Pas mal, pas mal. J'avoue. Je trouve que la liste de coups qu'on lui a donnée, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il a peut-être un Oh My God ici? Ah, il a pas de Oh My God à ce niveau-là. Un petit peu déçu. Un point au moins pour Gryffondor. On va voir maintenant pour Serre d'Aigle. Ah mais c'est bon l'arbitre. On va se calmer. Laissez-moi le placer sur la table, tranquillement. Les élections, ça se passe où? Sur une table. Attention. Et voilà. Ah, il s'est fait mal au dos. Il s'est fait mal au dos. This is awesome. 8. J'arrive. Et voilà. Je pense qu'on peut même tenter de faire un tombé sur le ring, parce que là... Ah oui, aussi, Joe Biden, le personnage que j'ai pris, il a 80 de général, et Donald Trump a 100. Du coup, normalement, il est plus fort. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Le talent du joueur compte beaucoup. Oh là là. Il s'est relevé vite. Il est déterminé à louper. Bien joué, ça. Il va essayer de se jouer de moi, et nous, bah non. On a un coude. Faut bien qu'il nous serre. Aïe. Oh là. C'est le moment spécial contre. Vas-y, tape-le. Tape-le au niveau des côtes. Vas-y, travaille les côtes. Voilà. Travaille. Travaille. On y va. Ouf. Oh là, oh, alors là. S'il se relève après ce coup monumental, je ne comprends pas. Mais je vais. Ah, mais il se relève toujours vite. Hein. Il y a un moment, faut que tu arrêtes de te relever aussi vite. Ah, loupé. Attends, approche. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est courir le plus vite possible. Ah mais le problème. Ah si, il peut. Oui.
Il s'est fait avoir. Et non. Alors, tu sais quoi? Non. En fait, il sait pas. Il a pas voulu m'écouter. Attention. Ah, mais il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Ça dise deux coups. Et juste, phénoménal. Voilà, récupère. Récupère tranquillement. C'est fini. This is the end. Oui, je suis bilingue. Alors, ouais, c'est toujours la même chose. Mais là, au moins, vous le voyez, avec un petit gros plan. Un petit gros plan, c'est un peu paradoxal de dire ça. Mais c'est pas grave. Ah là, mais non. Comment oses-tu? Comment? Voilà. Tu vas subir le point de la justice. Excusez-moi. Je viens de prendre un petit hoquet avec cette magnifique blague, ou pas. Alors, je récupère un petit peu. Est-ce qu'il a un my god au niveau du coin? Moi, je dis que oui. Et s'il en a un? Eh bien non. Un peu déçu. Je pensais que j'aurais pu lui faire une petite tartounette. Et là, parce que des fois, ils l'ont en troisième corde. Toujours pas. C'est pas grave. 1, 2, 3. Voilà. J'étais sûr. J'étais sûr qu'il allait me contrer. J'ai pris beaucoup trop de temps. Et non. Oh, mais bien joué, ça. C'est beau. Moi, ce que j'ai envie de tester... Oh, depuis tard, on se fait que se contrer. C'est beau. Ah. Il me fait penser un peu à Ric Flair, Joe Biden, dans le jeu, là. Vraiment, j'ai l'impression de voir Ric Flair. Vite fait, hein. Hop là. Non, 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 mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que tu fais? Reviens. J'arrive. Oh là là. Les deux pieds en avant. Ça, c'est ce qu'on apprécie. Joe Biden, il n'a peur de rien, ni de personne. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais voir s'il n'a pas un petit tournicotis. Ouais. D'abord, je vais manger le coin du ring. C'était pas forcément prévu. Moi, je voulais pas. Mais si le jeu me dit OK... Debout! Voilà, ça c'est beau, qui se relève assez rapidement. Ça me fait plaisir. Aïe! Non. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant, tu te barres pas, hein, s'il te plaît. Non, t'as pas un petit oh my god ici non plus. D'accord. T'as pas de problème. On va commencer par celui-là. OK. On va rien commencer. Qu'est-ce qu'il... Il a fait un pas de danse, là, Monsieur Trump. Monsieur Trump, qui nous a fait un petit pas de danse. On apprécie. Ah, ouais, c'est... Tiens, une petite danse, pourquoi pas. Ah, mais c'est bon. En plus, il veut nous soumettre. C'est vrai qu'une soumission, pour gagner ce combat, ça serait assez stylé. Donc, pourquoi pas en tenter un. Enfin, une, que c'est une soumission. Je pensais à un coup. Attention. Voilà. Le finisher. Oh là là, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ça. Je vérifie bien maintenant, vu qu'on est tranquille. Tu sais quoi, je vais m'occuper de ses jambes. Parce que, moi, je fais un petit rapace des pigs. Voilà. Entremêle. Et là, tu lui dis, désolé, mais il y a un moment, ça passe pas. Ça ne passe pas, malheureusement. Je suis un peu déçu. Voilà. Faites ta future victoire, t'as bien raison. On l'attrape. On l'attrape tranquille. Là, on va voir s'il a un second finisher. Non, c'est le même. Ah non, c'est un dérivé. J'ai bien raison d'avoir dit ça. C'est parti. C'est parti. Attrape-le. Hop là. Ah, ça peut re-break. Ça peut re-break. Mais ça devrait le faire. Ah, re-break, ça veut dire qu'il a soit touché la corde, soit le pied à l'extérieur du ring. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être... Comment on change? Il veut même pas changer pour utiliser son finisher. Je suis assez déçu. Mais nous, on n'abandonne jamais. Jamais 203. Là, cette fois-ci, ça va pas re-break. C'est pas possible. Il se laisse pas faire. Tu te laisses pas faire? Tu crois que c'est bien? Voilà, vas-y. Fais-lui mal. Autant que tu veux. Non, là, c'est pas la soumission. Vous inquiétez pas. Je vais pas tenter 43 fois. On va récupérer un peu aussi. C'est ça que, au niveau, c'est à ce niveau-là que je vois que Joe Biden n'a pas forcément le bon note général. Au niveau de l'endurance, et pour le relever déjà, ça nous prend comme pas possible. Petite esquive. Attention. Ah ben, ça m'énerve quand il fait ça. Quand il se loupe. Oh là là. Attention. Saut de mouton. Et voilà. C'est fini. On a le retour. Oh là là. Viens là. Oui. On va le finir avec le retour, sans doute. J'espère, j'y crois. Wow, quelle amplitude il nous a fait. Oh, c'est fini. Alors franchement,
Depuis tout à l'heure, ça passe pas au niveau de la soumission. Peut-être que maintenant, le tombé, ça ne passe pas. Fais attention. Joe, derrière toi, fais gaffe. Tap. Bah oui, t'es pas assez rapide. Mais c'est pas grave. On n'est peut-être pas le plus rapide. Mais on est le plus gentil. Et boum. Il a aimé ça. T'as aimé ce massage? Tu vas voir. Tu vas goûter au deuxième massage. Eh oui, nous on est comme ça, on est généreux. On offre et on offre. Et cette fois-ci, on offre le troisième massage. Eh oui, jamais 203, on l'a dit tout à l'heure. J'espère juste qu'il ne me contrôlera pas. Et non, c'est fini, voilà. Et franchement, si après ça, il se relève, alors là, je ne comprends plus rien. Normalement, ça devrait être bon. Et de 1, et de 2, et de 3, Joe Biden est victorieux face à Donald Trump. On verra ça au niveau de l'élection, qui va gagner. Et puis sinon, bah je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.